Président, vous avez l'habitude de prendre pas mal de distance avec les victoires et les défaites lorsque vous êtes en tribune officielle. Est-ce que vous avez ressenti une émotion particulière hier soir ? Quand même. Oui, parce que c'est un match difficile. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre. J'ai eu un petit peu peur sur le pénalty, raté le deuxième pénalty. Effectivement, je me suis dit, on était un tout petit peu moins bien, il y a un pénalty. Je sentais que ça pouvait basculer. Donc non, c'est le seul moment où j'ai un peu, non pas douté, mais craint pour l'équipe de France. Mais est-ce qu'il y a eu une émotion particulière ? Chacun a sa nature. Moi, je ne suis pas quelqu'un à faire des bonnes joies lorsqu'on gagne. Et quand il y a des mauvaises nouvelles, je ne suis jamais triste. Est-ce que la Coupe du Monde est d'ores et déjà réussie ? L'objectif était les demi-finales ? Oui, quand on sait, c'est facile, je disais tout à l'heure à votre collègue, c'est facile dans un bureau de donner des objectifs, c'est d'être dans le dernier carré. Bon, je m'aperçois quand même qu'avec Didier, je pense que sur 5 compétitions officielles, on a été 4 fois. Et pourquoi je dis ça ? Parce que notre classement FIFA, on est 2, 3, 4 ou 5, on est toujours dans les 4 premiers, à peu près. Et les compétitions officielles, comme la Coupe du Monde, donnent quand même une image réelle de la valeur de l'équipe et du pays. Par rapport à ce que vous avez pu voir, qu'est-ce qui fonctionne cette année et qui n'a pas fonctionné en 2021 ? C'est quoi la différence ? 2021 ? L'euro. Il ne faut jamais revenir en arrière. Un match de football, vous savez, vous avez un peu d'expérience, vous aussi, ça peut tourner du bon côté. Tir sur un poteau. En plus, sur la finale de l'euro, il y a quelques années, un tir sur un poteau. Nous avons gagné l'euro, puis sur un contre, on prend un but. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je fais l'analyse, il y a 18 mois, ça ne m'intéresse plus. Oui, mais vous en avez tiré des conséquences. J'ai gardé d'abord le même entraîneur et j'ai gardé le même staff partout. Donc, voilà mes conclusions. Rien changé. C'était ça, la réussite de l'après-euro ? L'après-euro. Vous poussez concrètement, vous poussez un peu à changer, forcément ? Certains veulent toujours du changement. D'abord, vous-même, vous poussez à ce que ça change. Pour si, c'est plus facile d'écrire des trucs quand ça ne va pas, à la limite, ou quand il y a des nouveaux. Bon, je crois qu'aujourd'hui, l'équipe est sereine. On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique, mais aussi un bon staff autour. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés. Et on a vraiment une équipe de responsables autour d'eux de grande qualité. On a l'impression que Didier Deschamps a repris la main alors qu'il l'avait perdu en 2021. En tout cas, c'était notre sensation. Arrêtez de 2021. Moi, je ne suis pas venu à votre émission pour parler de 2021. On a déjà assez parlé avant. On a remis les choses en place avec le même staff volontairement. Et donc, ça marche. En tout cas, on a l'impression qu'il a repris la main. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Qu'il est dans une forme de plénitude ? Il n'a pas perdu. On peut juste perdre un match sur une action anodine. Alors il respire le bonheur, ça se voit. Les joueurs aussi. Vous avez assisté à quelques entraînements, j'imagine, où vous les voyez vivre ensemble. Ils sont heureux d'être là. Non seulement ils travaillent énormément, mais dans la bonne humeur. Est-ce que vous allez proposer, comme prévu, un nouveau contrat à Didier Deschamps ? Ah oui, mais là, c'est, comment vous dire, des promesses logiques. Je dis effectivement. La décision lui appartiendrait si on était dans le dernier carré. Donc on se verra à Guingamp dans quelques jours. Vous pensez qu'il vous dira oui ? Ça lui appartient complètement. Mais trouver un entraîneur de cette qualité, pas facile. Et donc pour moi, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion. Ce sera, on l'imagine pas comme ça, mais il a laissé un peu planer le doute parce qu'il refuse de répondre à la question. Est-ce que vous avez un petit doute sur Non, écoutez, pour le moment, on est en pleine compétition. Ouais, l'objectif est atteint. Donc quand je vais le voir, je vais lui dire bravo. Didier, vous faites quoi ? J'espère qu'il dira oui. Qu'est-ce qui vous impressionne chez lui, encore ? La sérénité, l'intelligence. Le respect que les joueurs ont pour lui en toutes circonstances. Quand il prend la parole, il n'y a pas une mouche qui vole, c'est pas du tout. Et sur un ton gentil. C'est pas un hurleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui prépare. Et il m'impressionne de par son analyse de l'adversaire, par exemple. Et surtout aussi de créer un groupe. Il y a 24 joueurs quand même, il n'y a que 11 qui jouent. Et il faut garder une ambiance et trouver les mots pour que l'équipe se porte bien. Sur le plan personnel, est-ce que c'est aussi une victoire ? Est-ce que vous le ressentez un peu comme ça ? Quand on est président de la Fédé, il y a les bons côtés, les mauvais côtés.
Quand il y a les mauvais côtés, il faut assumer et ne pas perdre la main, comme vous avez dit. Et quand c'est bien, il faut garder la tête froide. Parce qu'on sait que le foot est difficile. L'équipe nationale, c'est une image, mais derrière, on a 2 300 000 licenciés qui regardent le foot, qui sont prêts à signer, les gamins sont prêts à signer des licences. Donc c'est important que l'équipe de France se conduise bien. Vous ne voulez pas revenir en arrière, mais moi j'ai une question qui m'intéresse. Quel était le sens quand vous avez décidé de ne pas le prolonger contrairement à vos habitudes? C'était quoi le sens? C'était le mettre un peu sous pression ou c'était uniquement vis-à-vis du monde extérieur pour calmer non, un je petit peu? Non, je ne calcule jamais par rapport au monde extérieur. Enfin, je ne suis pas un bouffeur de micro. Je ne m'impose jamais. Vous me demandez de venir ce midi, je viens. Mais je téléphone jamais à aucun journaliste pour l'extérieur, non. C'est, donc l'idée, je me disais... signer avant cette Coupe du Monde, c'était dangereux pour tout le monde, pour lui comme pour moi ou pour le football. Et vous voyez, ça se passe bien. Donc ceux qui disent qu'il fallait prolonger se sont trompés. Ceux qui doutaient de cette décision, bah, il faudrait qu'ils écrivent aujourd'hui, je me suis trompé. Est-ce que vous avez été beaucoup critiqué au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois? Est-ce que ça vous... Je ne sais pas, par quoi? Pardon? Pour le football? Vous avez été critiqué par le monde extérieur, par les médias, par rapport à vos prises de position sur le Qatar, etc. Vous avez été beaucoup critiqué. Vous êtes au Qatar, moi, c'est les conditions sportives, puisque je suis venu dans votre émission, vous parlez de sport, vous m'avez dit. Hein. Les stades sont exemplaires, les conditions pour tous les pays, c'est assez incroyable. Les terrains d'entraînement sont magnifiques, la sécurité est totale. Après, si on veut parler de politique, moi, je veux bien aller dans une autre émission. Mais ce n'est pas le débat. La question, c'est de savoir si vous vous sentez plus fort quelque part aujourd'hui qu'il y a un mois où vous étiez forcément sous le feu des critiques par rapport à différentes prises de position, par rapport à la ministre. Les seules personnes à qui je dois rendre compte, c'est l'Assemblée fédérale. J'ai été élu il y a 15 mois avec 72%, je crois, des voix contre un très bon candidat, Thiriez. Et c'est à eux que je dois rendre compte, pas aux autres. Ça s'est passé comment hier avec Amélie Oudéa-Castéra? Oh bah, trop bien, moi je l'ai reçu aimablement et elle a été aimable. Vous avez pensé quoi de son pull? Je n'ai pas remarqué. C'est vrai? On vous l'a dit depuis quand même. Non, oui, franchement, je n'ai pas remarqué. Non, non. Vous avez l'impression que ça tourne un peu avec le temps qui passe là, dans cette Coupe du Monde, que les polémiques, notamment par rapport aux droits LGBT, par rapport aux droits des travailleurs, ça a disparu? Chacun a le droit dans sa tête d'avoir des opinions, mais ici on est dans le cadre d'une Coupe du Monde. Et les règles de la FIFA doivent être appliquées. Point final. Moi, quand ce que j'organise en France, j'entends qu'on respecte mon pays. Et que les gens soient disciplinés par rapport à notre mode de vie. Et quand on est ailleurs, on doit aussi faire en sorte, tant qu'on y est, d'être extrêmement attentif, certes, mais respectueux. Le but désormais au niveau sportif, c'est de lutter contre l'euphorie et cette espèce de forcément conviction qu'il va y avoir autour de l'équipe de France, que la finale est déjà là? Non, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est, vous avez raison de le penser. Moi, j'ai suivi tous les matchs du Maroc. Je n'ai pas raté un match du Maroc depuis le début de la compétition. Et dès le premier match, je me rappelle d'avoir dit à ceux qui étaient autour de moi, cette équipe joue bien au ballon, elle est bien organisée. En plus, il y a l'amour du pays, ils prennent pas de but. C'est une équipe très organisée. Ceux qui pensent qu'il suffit de se présenter sur le terrain pour gagner se trompent. Donc Didier va bien préparer ça. Et je retente un peu ma chance. Vous ne vivez pas ce parcours des Bleus à titre personnel comme une petite revanche? Vraiment pas? Ou c'est parce que vous voulez le cacher? Revanche par rapport à quoi? Mais par rapport à tout ce qui s'est par passé. Par rapport à la vie, depuis... moi j'ai eu 3 cancers. Revenir, vous savez, en poste, ça c'est des victoires. Le reste, un mot de travers dans n'importe quel journal ne peut pas me contrarier. Impossible. Oui, mais là c'était pas que les journaux. Que quoi? Il y avait le ministère, ministre, l'audit. Les ministres, ça change beaucoup plus vite que les présidents. Bah celle-là, elle va rester un tout petit peu quand même. Ah bah je lui souhaite. Elle vient d'arriver. Je lui souhaite. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais chacun doit rester à sa place. Il y a une question qu'on vous pose souvent, et je la pose aussi, même si là, ce n'est pas que le sport. Votre contrat, votre mandat dure jusqu'à fin 2024. Vous nous confirmez que vous le tiendrez jusqu'au bout? Ben oui, pour eux. Si le seul truc qui pourrait me faire arrêter, c'est la santé.
Parce que quand on a mon expérience, vous diriez mon âge, mais moi je parle d'expérience. Je vieillis aussi, vous savez, donc je dirais ouais, pas ça. Ouais, oh, puis il y a des jeunes qui ne m'impressionnent pas du tout, je peux vous dire. Non, j'ai, oui, j'ai aucune raison, en dehors d'une faiblesse, je vais dire, de santé. Le reste, non. Vous représenterez fin 2024? Je ne sais jamais. Les textes permettront peut-être. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.